Alors ici va être construit le premier centre GAPS au Portugal, un centre donc où vous aurez bien sûr des légumes en permaculture, vous aurez de la petite volaille, un maximum d'écologie, limiter les ondes pour pouvoir accueillir les personnes électrosensibles. Bien sûr, dans ce centre GAPS, ce sera un centre de formation pour apprendre à mieux manger afin d'optimaliser le fonctionnement du cerveau.